a une activité d'espace vert depuis une quinzaine d'années et depuis, en complément de l'activité, on a ouvert une jardinerie à Lioré il y a 3 ans. Au départ, on a été vraiment effrayés parce qu'en fait, c'est une activité qu'on vient de lancer, la jardinerie. Sur 3 ans, on commençait à se faire connaître. Et le fait de fermer le magasin nous a vraiment fait peur. Et on a pu rester ouvert grâce aux produits de première nécessité qui sont le gaz et l'alimentation animale. Et en complément, on a fait énormément de communication Facebook pour faire de la vente en livraison. On a connu un franc succès où on livrait jusqu'à 22h le soir en organisant des tournées. Étant donné que tout le monde était chez soi, c'était quand même beaucoup plus facile à organiser. Il n'y avait pas de contraintes de temps. Sur les 15 derniers jours de mars, on a eu une perte de chiffre d'affaires d'à peu près 25%, parce que malgré les livraisons, on n'arrivait pas à combler le manque à gagner du magasin. Par contre, à partir du 8 avril, l'État a intégré les plants et semences en produits de première nécessité et on a eu le droit à la vente additionnelle. Ce qui fait que là, par contre, on a eu un regain d'activité qui a multiplié par 3 le chiffre d'affaires des mois d'avril et mai. On est très très satisfait de l'année qui vient de s'écouler. En espace vert, on est sur un chiffre d'affaires de plus 20%. Et donc sur la partie aménagement et entretien de jardin, et sur la jardinerie, on a doublé le chiffre d'affaires en fait. On va faire un nouveau bâtiment sur la jardinerie pour agrandir tout ce qui est partie réserve en fait, ce qui va vous permettre de stocker et d'optimiser les achats sur certains produits. Et donc d'agrandir un petit peu l'espace pépinière extérieur aussi. On a eu la chance d'avoir eu le droit d'ouvrir au 8 avril et on a eu aussi la chance de la météo parce que avril et mai ont été 2 mois super beaux où les gens étaient confinés chez eux et ils sont énormément occupés du jardin. Ça a vraiment été bénéfique pour nous et ça a été une chance quoi.